Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer une batterie sur une voiture. Voilà. Alors, on va regarder ça, c'est les écrous de 10. Alors, comme j'ai cliqué et j'ai une douille de 10, il faut toujours défaire le. Bon, la borne moins, parce que si vous défaites la borne moins, comme ça, si vous touchez la masse, vous ne risquez rien. Par contre, si vous défaites le plus, quand vous défaites le plus et que vous touchez la masse, ça fait courju. Alors toujours la masse moins, la borne moins. C'est très facile de changer. Voilà, vous faites ça, vous défaites, vous mettez à côté. Et l'autre, pareil. Voilà. Très facile, vous défaire le moins en premier. Après le plus. Voilà. Et après ça, il y a un boulon de support en bas. Vous voyez? Ça, c'est le boulon. Ça, c'est un boulon de 13. Alors, vous avez. Là, j'ai une douille de 13 avec une rallonge. Et un cliquet, voilà. Soit c'est du, en général c'est du 13. Voilà. On dévisse. Voilà, on va sortir la batterie. Voilà, j'ai sorti la batterie, celle-là elle est morte. Vous voyez le support tout à l'heure, c'est ça. C'est ça le support tout à l'heure, c'est du 13. Voilà. Et là, j'ai la nouvelle batterie qui est là. Je vais l'acheter. Il faut toujours regarder. Parce que la mienne, là, l'ancienne, c'est du 70. 70 ampères-heure. Voilà. Il faut toujours regarder l'ampère-heure. Celle-là, c'est 70 ampères-heure. Alors, celle-là, je vais prendre une pareille. De 70 ampères, exactement la même. Voilà. Voilà. Ça, c'est le plus. Alors, le plus est là. On va le mettre exactement comme ça. On va mettre ça sur la batterie. Comme ça, là. On va le mettre dessus. Et voilà. Alors. Tout à l'heure, on a démonté la masse en premier. Maintenant, il faut mettre l'inverse. Il faut toujours mettre le plus
en premier. Voilà, on met le plus en premier. Voilà, je mets le plus en premier. Et après, on met la masse et on serre. Et maintenant, il faut que je mette la pâte de 13 en bas. Oh, celui-là, c'est pas trop. Il n'est pas évident de le mettre en bas. Voilà. Ça, la pâte là, c'est pour tenir la batterie pour qu'elle ne bouge pas. Voilà. Parce que si elle bouge, elle ne passera pas au contrôle. Voilà. La bougie ne bouge plus. Tout est fixé. Tout est serré. Et bien, je remets ça. Et là, on va tester si ça marche. Là, on va finir. On va essayer si ça marche. Voilà. C'est fait. Et voilà les bas. Très bien. Et voilà. Si ça peut vous aider, c'est ça qui vous fait. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. Voilà. Mettre un like et s'abonner. Voilà. Je vous dis à bientôt.